Good morgen, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Dvora Bat Esther, Lucien Bat Reina et Lorléa Bat Bela. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Massacre Nedarim. Perek Zain Mishnachet, Sheat Osa Eni Ochel Adapesach, Sheat Osa Eni Mitkase Adapesach, Astalifna Pesach, Mutar Nechol Olikasot Achara Pesach, Sheat Osa Adapesach Eni Ochel, Ve Sheat Osa Adapesach Eni Mitkase. On a une Mishnah devant nous, et celle d'après aussi la prochaine, ce sera un peu le même principe, ce sera des jeux de mots, on va pas dire ça exactement, mais ce sera des nuances sur la manière de prononcer le neder. Un homme qui se fâche avec sa femme, qui va soit s'interdire des choses qu'elle fait pour lui, ou elle va l'interdire de profiter de lui, et selon l'ordre des mots, et ben ça va changer la signification de la phrase. En l'occurrence, je ne profiterai pas de toi, de ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah. Ou ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah, je ne profiterai pas de toi. Vous voyez, c'est la même phrase plus ou moins, mais regardez la différence fondamentale entre les deux. Je ne profiterai pas de ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah. Jusqu'à Pessah, ça se réfère à quoi? À je ne profiterai pas ou à ce que tu vas cuisiner? En deux mots, elle va cuisiner avant Pessah. Elle va faire une bonne confiture à la fraise. Est-ce que quand Pessah va se finir, j'aurai le droit de manger cette même confiture ou pas? Si je lui dis ce que tu vas cuisiner avant Pessah, je ne profiterai pas. Donc ça veut dire que maintenant, cette confiture-là qu'elle a fait cuire avant Pessah, je n'aurai pas le droit d'en profiter pour l'éternité, puisque je l'ai interdite. Je l'interdis, je ne mangerai pas ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah. Ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah, je n'en profiterai pas. Alors que si je lui dis je ne profiterai pas, ou jusqu'à Pessah, de ce que tu vas cuisiner, ou bien je ne profiterai pas de ce que tu vas cuisiner jusqu'à Pessah, mais avec la connotation que la signification que jusqu'à Pessah se réfère à ce que je ne profiterai pas, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de profiter des choses que tu vas faire jusqu'à Pessah. Mais après Pessah, je voudrais profiter de ces choses-là. Vous avez compris le principe? Regardez, on fait toute la Mishnah d'entrée et on a fini. She'at osa eni ochel ada Pessah. Ce que tu vas faire, je ne mangerai pas jusqu'à Pessah. She'at osa eni mitkase ada Pessah. Ce que tu vas tisser, coudre, avec tes mains, je ne mettrai pas en vêtements jusqu'à Pessah. Dans ce cas-là, Astalifne Pessah, si elle a fait, elle a cuisiné, ou elle a tricoté, cousu avant Pessah, eh bien, Moutar lechol olit kasot, achara Pessah, on aura le droit de manger et de se couvrir, de se vêtir avec, après Pessah, parce que dans ce cas-là, ce que j'interdis, c'est pas ce qu'elle va tricoter jusqu'à Pessah, mais j'interdis le profit de ce qu'elle va, tricoter. Jusqu'à Pessah, d'accord? Tandis que si je dis Shat Osad à Pessah et Niochel, regardez, c'est en fait ce que tu vas faire jusqu'à Pessah, je ne mangerai pas. Ouais? Veshat Osa Ada Pessah et Nimitkase. Ce que tu vas faire jusqu'à Pessah, je ne me vêtirai pas. Si tu vas cuisiner coudre d'un vêtement, jusqu'à Pessah, je ne le mettrai pas. Donc je ne le mettrai pas, ça se rapporte à quoi? À ce que tu vas coudre. Jusqu'à Pessah, que je ne le mettrai pas, même pour l'éternité, je ne le mettrai jamais. Ok, et donc dans ce cas-là, Astalifne Pessah, si elle aura fait avant Pessah, Asur lechol et kassot achar Pessah, il n'aura pas le droit ni de manger, ni de se vêtir, même une fois que Pessah sera fini. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tuv Selah.